On l'encourage, mesdames, messieurs, c'est parti pour Alexis Brunel. Vainqueur d'étape pour l'étoile de Bessèges, double champion de France. Le final de ce contre-la-montre a le temps, évidemment il y a des problèmes rencontrés par Rémi Camagna alors qu'Alexis Brunel en termine dans le sillage immédiat de Rosendo pendant les temps ravisés par l'un et l'autre. Donc Alexis Brunel, meilleur convenir, mesdames, messieurs, merci de le saluer. Le coureur des Hautes-Pyrénées, voici Bruno Armirail, le coureur de l'équipe Groupe ADAG qui vient de se lancer. Non, c'est ce jeu, c'est bon. Régis, champion d'Europe, multiple champion de France. Il avait gagné également le Chrono des Nations et il a été champion de France espoir et amateur au moment où nous avons l'arrivée donc de Carizio Compagnie du Gain. Le départ pour Benjamin Thomas, le coureur de l'équipe Groupama TJ qui tentera et vient de reconquérir son trône. Allez Benjamin! Dans les grands amateurs et on retrouve également Bruno Armirail qui a été plusieurs fois sur le podium. Mais voilà, Benjamin Thomas est parti depuis 55 minutes et 16 secondes. Le meilleur temps est de 55-47. Il sera donc meilleur chrono pour Benjamin Thomas. Donc 55 minutes et 16 secondes. Deuxième Bruno française de cyclisme qui félicite Benjamin Thomas, Bruno Armirail et Alexis Brunel. Martial Gaillon, je le disais, nage dans le bonheur. Trois coureurs de l'équipe Groupama FDJ sur le podium. Et pour ça... Benjamin, la dernière image... Dernière image que j'ai de toi, c'est battu par Bisseger au Tour de Suisse. Il y a la frustration, fin énervé, et là, la joie. Bon, qu'est-ce que tu ressens en l'espace d'une semaine, là? C'est du tout au tout. Ouais, c'est une satisfaction immense. Voilà, je ne réalise pas encore. Dans les derniers kilomètres, c'était interminable. Et voilà, je réaliserai peut-être ce soir ou demain. Et voilà, je suis super content et la performance collective est énorme. Et le triplé Groupama FDJ, parle-nous un peu de tes collègues là, Bruno, Alexis, on imagine que sur le podium ça va bien rigoler là. Ouais, voilà, on va peut-être trinquer avec une petite bière ce soir, voilà, c'est une immense satisfaction pour nous et je pense que voilà, l'équipe sera très satisfaite de cette performance collective et ça montre l'investissement de l'équipe. Et tu reprends ce maillot bleu-blanc-rouge à Rémi qui a été victime. Tu as été informé justement de ces ennuis mécaniques. On t'a donné l'info que tu étais en tête partout ou il fallait que tu restes concentré? Ouais, on m'a donné le premier inter sur Rémi. Après, je me basais sur Bruno. On m'a dit que Rémi était loin. Donc voilà, c'était dans la tête et c'était de la gestion jusqu'au bout. C'est énorme. C'est énorme. Bon, petite bière ce soir, hein, les gars. Petite. Hein. Il y en a des bonnes ici. Merci, Benjamin. Merci. Au départ de Taou-les-Vosges, le départ du Normand Kevin Vauquelin.
meilleur temps. Là, c'est le meilleur temps. Plus simple. Plus. Cyclisme, Thomas Delfis, dont le papa avait fait une belle carrière dans le peloton professionnel, eh bien, Thomas Delfis réalise le meilleur temps, 59 minutes et 16 secondes. Corentin, et donc Kevin Vauclin, a le bonheur en réalité de courte durée. Pour le podium protocolaire pour entonner dans quelques instants la Marseillaise avec les amateurs qui sont dans quelques minutes. Félicité par Alexis Brunel, voilà, impeccable, tout le monde est content. Bon, t'avais quand même l'objectif de faire top 10, alors t'es champion de France, mais c'est loupé finalement. Finalement c'est loupé. Non mais allez, j'imagine la joie, ça y est, c'est fait, tu vas monter sur le podium. Raconte-nous un peu ce que tu ressens à ce moment-là. Là tout de suite, je me rends pas trop compte. J'ai du mal à me dire que je suis champion de France de chrono, voilà, c'est un objectif. Mais c'est, ouais, même si t'as dans la tête toujours de vouloir être champion de France, même les jours avant, là, c'est bizarre quand même, voilà, faut se le dire, c'est... C'est une sacrée sensation. Ouais. T'as eu le temps d'analyser justement tout à l'heure, je te voyais avec ton compteur, regardez un peu, t'étais watts, t'as fait combien de moyenne de watts, c'est possible de le dire fais, ou... Ouais, je fais 360. Voilà, c'est moins élevé que l'année dernière sur mon chrono, mais voilà, avec la chaleur, c'est totalement différent. Voilà, fallait gérer beaucoup la chaleur et pas se mettre dans le rouge, et je pense que voilà, j'ai réussi à gérer ça. Bah écoute, bon podium, profite bien de la Marseillaise. Merci. Salut Kevin. Voilà.